putain. Voilà, c'est qu'il y a pas... Parce que j'ai pas... C'est chaud, hein, les gars. Ça comment, les gars? Ici, tout joyeux ce matin, là. Ah. Ici, tout joyeux ce matin. Bonjour, connecté. Michel Emmanuel. RFK. Bon, Mistin Tin n'est pas là. Bon, salut. Ah, elle vient d'arriver, Mistin Tin. Tout comme fait, tu es là, tu n'es pas là. Tu es là. Mais si tu viens d'arriver à Poulnay, c'est comment? IB de London, Jean Thomas, 22 Zappa, Patou Chanel, c'est comment? Bansé Benito, t'as dit Doba, lesquels là-bas? Lesquels au Yépi? Il est 11h, bon, 5h du matin au Yépi, il dort pas. Mais Tintin, Axel, c'est comment? Franck Fréjus Degré. Les gars, il y a un sérieux souci. Cotisez pour moi, s'il vous plaît. Touré Fatim Maëline. C'est comment? Rico Rico de Bengue. JB Sentinelle. Jackis Koulibaly. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Sans distinction. Guy Wandan, c'est comment? Ah, ça c'est la Côte d'Ivoire. Ça c'est mes Ivoiriens, je les reconnais. Jean-Marie Boli, on a toujours vécu en parfaite harmonie. Voilà. Je reconnais ma Côte d'Ivoire. Eric Didier Zegou, c'est comment? Alasco Bac, c'est comment? Brico La Joie, c'est comment? Le RHDP n'existe plus. Le RHDP s'est vidé de sa substance. Le RHDP est devenu le RDR. Rassemblement des rebelles. Toujours dans la logique de violence. C'est pas Dramane Ouattara, l'instigateur de cette violence politique en Côte d'Ivoire, qui me dira le contraire. Voilà, c'est ça que la vérité aussi. Miso le Milanais, c'est comment? Wilfried Touo, c'est comment? Vicky Côte d'Ivoire, c'est comment? Ouais, le siphon. Le Baka, c'est 150 places, les gars. Voici Codan, c'est comment? Moi, mon bac, c'est 150 places. Autorité Claver, le radar t'a détecté. Encore du vol, les 9h. Ouais. Nildal, Nildal, de Genève, c'est comment? Le bac, c'est 150 places. Hein. Voilà. Abrandi. Il y a combien là-bas? Il reste combien là-bas? Il reste 15 personnes, 15 places, non? Bon, faut que Bichat en démarre là. Demande à la dame, restez avec papa. La dame, restez avec papa. Ouais. Madame, les enfants, elle arrive. Elle arrive. Ouais. Ah, qu'elle fait du nom de la ici là, tiens, elle n'a pas que ça à faire. C'est comme ma malade là. Ah mais t'as du chat, il y a d'autres qui descendent. Hein. Faut bien changer les bacs. Moto. Ah bobo dilet. 500 000 pour la femme monnaie. Il y a pas monnaie. Ah la monnaie. Montez, on va se. Bon, c'est quoi à faire là? Voilà, faut voilà non. Et puis on fait un sous le côté là-bas, au rond point. En même temps, rendre bas du bâtiment. Renault. Voilà. Bon la porte qui est ici là. Ok. 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 Ouais, faut l'ensemble que sur. Bon, là, j'ai lancé là, les gars. C'est comment, Michel Savadogo? Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Bonjour aux 134 passagers de mon baka. Il y a un gars qui me dit, viens à Abidjan. Mais c'est-tu vous qui voulez qu'on aille à Abidjan? Mais vous ne venez pas ici.
Vous là, vous ne venez pas ici aussi, quoi. C'est décalé, il y a l'eau qui est là. Voilà. Il n'y a même pas besoin de visa, mais il y a l'eau qui est là. Tu peux venir ici. Moi, pour aller là-bas, besoin d'avion. C'est pas bien d'avion, fais comment? Moi, pour te trouver en Côte d'Ivoire, là, moi, j'ai besoin d'avion. Toi, pour venir ici, là, tu n'as pas besoin d'avion, il y a l'eau qui est là. Voilà. Donc, tu fais comment? Ah. Moi, pour venir là-bas, en Côte d'Ivoire, j'ai besoin d'avion. Il n'y a pas l'un de billets d'avion. Mais par contre, toi, tu es en Côte d'Ivoire pour venir ici, là. Tu n'as pas besoin de billets d'avion, même visa, tu n'as pas besoin. Il y a l'eau qui est là. L'eau, c'est là. Tranquille, comme ça, vous attend. Vous parlez de quoi? Bon, les gars, avant de commencer la vidéo, voilà. Hier, je voulais faire ma vidéo sur les attaques qui se sont déroulées à Kafolo, non? C'est Kafolo, non? Ou à Kafolo, qui s'est soldé par 12 de nos forces qui ont été tuées dans ces attaques. J'ai dit bien 12 de nos forces. Je n'ai pas dit 12 de rebelles. Mais 12 de nos forces. Fassi. Force armée de Côte d'Ivoire. C'est comment c'est pour Mango? Force armée de Côte d'Ivoire. Ils ont été attaqués. Ils ont été surpris. Nuitamment. Par des assaillants. Non identifiés. Bon, comme c'est eux qui sont les commanditaires. C'est eux qui savent que c'est les djihadistes. C'est eux qui savent que c'est les terroristes. Voilà. Sinon, en temps normal, la logique voudrait qu'on utilise ce thème. Des individus non identifiés. C'est après l'avoir préhendé qu'on peut savoir la nature de ces gens-là. S'ils sont, je ne sais pas, terroristes ou ils sont djihadistes. Mais les gens, on n'a même pas appréhendé l'un des kidam. Mais eux, ils savent que c'est des djihadistes ou des terroristes. Mais si vous saviez que c'était des djihadistes en amont, mais pourquoi vous n'avez pas parlé à toute éventualité d'attaque? La question reste posée. Maintenant, comme dessin animé, moi, c'est un politologue. Nous, on creuse. Voilà. Nous, on creuse. Quand tu creuses, tu dépasses la profondeur. Voyez, ici, un creuseur, il est toujours creusé. Voilà, nous, on creuse. Voilà, on creuse. On a le tabac, on a tout, on creuse. Voilà. Donc, je suis venu parler de ces attaques. Parce que, dans un état sérieux, là, on dit, nous sommes la colonie française. Ce qui veut dire qu'on copie tout sur la France. Même nord, je ne sais pas quoi, nord. Notre constitution, bien nord, c'est que tout est copié sur la France. C'est calqué, c'est du calqué. Voilà. Copier, coller qu'on fait sur la France. Mais en France, ici, là, les Français qui sont en mission dans le monde entier, là, soit en Irak, ou bien, je ne sais pas, au Mali, ou bien, je ne sais pas, en Somalie, là. Même quand ils pètent un de leurs soldats, là, lui qui est mort, là, hors de la France, ou bien dans la France, là, il représente l'État français, dont par ricochet, le chef d'État est dans l'obligation de venir se prononcer et décréter un deuil national. Ça, c'est pour un État qui se dit sérieux, qui se veut sérieux. Quand tu perds même un de tes soldats morts au combat pour le pays, là, le chef d'État lui-même, pas le ministre de la Défense, le chef d'État lui-même, voilà, il vient s'indigner. Et il rend hommage par ricochet aux forces armées de Côte d'Ivoire. Ça, c'est les États sérieux qui font ça. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une attaque qui s'est soldée par 12 morts de nos forces. Ce n'est pas pour dire à Conseil, hein, mais des gens qui sont tristement célèbres dans le monde entier, qui sont craints du monde entier, les djihadistes et les terroristes, qui sont craints dans le monde entier, eux, ils ont frappé nos forces. 12 meurs dedans, 12, c'est pas dit 2, 12 meurs dedans. Chef d'État, mais c'est normal, c'est un chef d'État, c'est pas un président. Vous avez toujours dit ça. Faites la différence. Un chef d'État, il s'impose ou elle impose. C'est différent, hein? Un chef d'État là, il s'impose ou on l'impose. Guy était le chef d'État. Voilà, c'est différent. Parce qu'on doit apprendre un peu à parler le français là. Parce que c'est des gens qui font l'amalgame. Un chef d'État, il s'impose ou on l'impose. Soit tu es imposé par tes amis, ou toi-même tu t'imposes par rébellion. Un président, c'est celui qui est élu au suffrage universel. C'est-à-dire que tu es président d'un pays là, tu as été élu au suffrage universel. C'est-à-dire que l'élection se passe en Côte d'Ivoire. Nous, en France, on vote notre président.
Voilà. Donc un président, il peut être aussi être un chef d'État. Voilà, parce que tu es président et puis tu es chef d'État. Mais par contre, un chef d'État ne peut jamais être un président, mais un président peut être un chef d'État. C'est ce qui est clair. Moi, là, ce n'est pas un chef d'État. Lui, ce n'est pas un président, lui, il a dit ça. Non, lorsqu'on m'imposait, j'ai été imposé. Donc, il a été imposé. Voilà. Donc, quand tu as été imposé là, tu ne connais pas les règles étatiques de comment un État sérieux fonctionne. C'est comme la tricherie. Quand tu triches pour venir accéder au pouvoir, là, tu ne sais pas comment fonctionnent les institutions étatiques. Donc, on peut avoir ces résultats-là. Comment des gens qu'on appelle djihadistes ou même terroristes, ils ont tué 12 de nos forces. 12, hein. 12. C'est pas pour dire 2. 12. Même pas le chef d'État s'élève pour prononcer un discours de compassion à l'endroit des familles éplorées et par ricochet décréter un deuil national. Mais le chef d'État est d'un mutisme qui ne dit pas son nom. Mais cela doit nous interroger. Est-ce que ce mec-là, il est vraiment là pour les Ivoiriens ou bien il est là pour son business? Parce que la logique voudrait que le chef d'État se soucie de sa population et par ricochet de ses soldats, vu que le chef suprême des armées. Mais on voit un chef d'État qui se proclame chef d'État parce qu'il porte veste et cravate. On tue 12 de tes soldats, tes militaires. Tu es incapable de décréter un deuil national pour compatir à la douleur de ces familles éplorées qui ont perdu leurs enfants. Les enfants sont morts pour la nation ivoirienne, pour le drapeau ivoirien. Tu es chef d'État, tu es incapable. Mais quand Gbagbo disait en 2010 à Abobo, lors de son meeting, qu'il a dit qu'il y a des gens qui veulent gouverner le pays pour l'étranger. Il y a des gens qui veulent mettre la Côte d'Ivoire sous tutelle. Mais aujourd'hui, on voit clair et net que Ouattara n'est pas là pour les Ivoiriens. Voilà. Parce que ça, c'est un comportement un comportement réflexe. Tu perds tes soldats, on n'a pas besoin d'appeler pour dire ah, il faut faire finir. Toi-même, en tant que chef d'État, tu sais ce qu'il reste à faire. Maintenant, le gars, il est dans son petit coin. Tranquille, au calme. Il s'en fout. Parce qu'il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout parce qu'ils sont fous des Ivoiriens. Parce qu'il n'a jamais été un vrai Ivoirien. Et c'est ça qui est la vérité. Mais quand on parle de ça à nos frères RDR et les nouveaux griots là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous racontent. Mais moi, je vais poser une question à Ouattara. Parce que moi, il y a un de mes drones qui allait tourner un peu vers Kong là-bas. Là. Mais Kong, là, qu'est-ce que tu dis ton village là? Attends, normalement, quand tu es chef d'une région, que tu es en haut cadre d'une région, tu dois avoir une maison. Mais à Kong là-bas, là, si tu voulais construire une maison, les habitants de Kong t'ont interdit de construire là-bas. Dans le grand terrain là, où tu dois construire ta maison là, tu as clôturé ça et tu as fait garder ça par les FSI. Ça, moi, c'est ça. À Kong là-bas, là, Kong, à Kong, Yorobo, Kong là-bas, là, le terrain qui est là-bas, qui est clôturé aussi au moins combien d'hectares là. Les habitants de Kong t'ont dit tu ne construis pas ici. Et le terrain est encore vierge, c'est devenu brousse. Mais comme la honte a pris, c'est les FSI qui sont autour, qui suivaient ça, pour ne pas qu'on vienne filmer. Mais nous, on n'est pas que sur la terre, on est dans les airs aussi. Donc le drone a capté ça. Prochainement, on va mettre ta maison que tu as construite à Kong là. On voit comment c'est devenu. Tu vois? Donc quand nous on parle de l'imposture de ce type là, C'est pas parce qu'on l'aime pas. Moi, j'ai rien contre les Burkinabés. Mais il faut s'assumer. Assumez-vous, les gars. Assume-toi. Peut-être par ton comportement, on sait que tu n'es pas un Ivoirien. Les gens me diront non. Mais ça revient toujours. Ça revient toujours. Parce qu'à cause de ce monsieur-là, nous sommes divisés. Il nous a manipulés. Il nous a opposés. Il a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, le HIP. L'ironie du sort. Comment nous, on perd 12 de nos soldats. Il n'y a même pas les autres chefs d'État qui vont venir compartir pour dire non à M. Ablaye Watt, envoyer un message à M. Trentin pour le soutenir. M. Trentin a envoyé. Jamais on n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que c'est vous-même les propres commanditaires. C'est vous-même les propres commanditaires. On dit les gens ont été attaqués par les terroristes.
Le ministre de la Défense vient, lui parle de narcotrafic, il parle de djihadistes. Mais pour savoir si c'est des djihadistes ou c'est des terroristes, il faut qu'on ait appréhendé au moins un seul lieu. Vous n'avez pas appréhendé. Mais comment connaître la nature de l'attaque si vous n'avez pas appréhendé quelqu'un? On ne comprend pas. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Et ça, c'est les prémices d'une violence à venir. Parce que vous tâtez le terrain. Vous essayez de voir comment les gens vont réagir à cette vague de violence. Donc, c'est pour sonder le terrain pour voir. Sinon, en temps normal, là, quand on est en état sérieux, là, quand on perd 12 de nos forces, le président met l'État. On doit décréter un deuil national. On décrète un deuil national pour compatir à la douleur de ces vaillants soldats qui sont aux frontières, qui sont là pour sécuriser la nation. Mais ce n'est pas le cas. Soldats, vous êtes abandonnés. Voilà. Celui que vous appelez votre président, ce n'est pas un président. Voilà. C'est un pantin, marionnette. Même marionnette, mais souvent il parle. Mais il ne sait pas comment le qualifier. Et aujourd'hui, ils sont en train de saboter l'enrôlement. En 2015, il y avait au moins 30 centres d'enrôlement à Paris. Et le délai d'enrôlement était sur un mois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Comme on veut enrôler des gens, il n'y a pas assez de centres. Et c'est que 15 jours pour s'enrôler. On va où? Bon les gars, comprenez que Ouattara a déjà son électorat. C'est tout. Ce qu'ils font là, c'est formalité. Voilà. C'est formalité. Et soyez vigilants quand ils écrivent vos noms. Parce que moi, il y a une camarade aux États-Unis. Elle est partie s'enrôler. Voilà. Moi, mais il y a vu même hier. Il y a vu même en direct à l'ambassade. Voilà. Elle est assise dans l'ambassade là. Au lieu de l'appeler par son nom, et c'est pas là, un nom bizarre là. Il a déformé le nom. Elle lui dit, monsieur, lisez ce que vous voyez là. Il ne veut pas lire, il se fond, non. Elle dit, monsieur, ça, c'est pas mon nom. Bon, je trouve que c'est pas moi que vous appelez. Elle lui se plaint. Il ne veut pas lire, il déforme son nom carrément. Donc, ça là, ils vont déformer vos noms. Quand vous allez voter, ils vont dire, non, mais ça, c'est pas ton nom, tu n'es pas la même personne. Oh, pourtant, c'est eux qui commencent à faire la cisanie. Ça y est, ton nom là, eux, ils transforment ça. Donc, en tout cas, les gars, soyez vigilants. Si vous partez, c'est comment tu vis assis, Christian, si vous partez vous enrôler là, regardez comment les gens vont écrire votre nom. Parce qu'ils sont dans du faux actuellement. Hein. C'est qu'on fait à ces formalités. Sinon, en temps normal, là, si eux voulaient qu'on s'enrôle là, ça pourrait prendre un mois pour s'enrôler. Parce que rien ne passe actuellement. Ça pourrait prendre un mois. On pourrait prendre un mois pour s'enrôler. Un mois pour s'enrôler. Mais c'est impacté sur combien de jours? 12 jours. Pourtant, les centres ne suffisent pas. Ça, c'est les prémices. Qui m'appelle là? Ça, c'est les prémices d'une fraude à grande échelle qui ne dit pas son nom. Maintenant, il est vigilant. Je vous ai dit, 2010 n'est pas 2020. Voilà. 2005 n'est pas 2020. On a nos aguets. On a nos bagues. On a tout pour être au courant de ce qui va se passer. En Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'en 2020, il faudrait que ce pouvoir moribond tombe afin d'accober. Voilà. C'est-à-dire mettre fin au souffle des Ivoiriens qui a duré 20 ans. Parce que moi, je trouve ça déplorable. Comme un chef d'État, il se dit chef d'État, qui est là pour nous protéger. Un gars qui est nous, notre employé. Voilà. Notre employé, parce que nous sommes les employés, toi tu es notre employé, vraiment c'est un employé, tu travailles pour nous. On tue 12 de nos forces, 12 hein, 12, on les tue, mort au combat, je t'ai tué lâchement par des individus non identifiés. C'est vous qui venez, non, c'est les terroristes, c'est les djihadistes. Mais est-ce que vous pouvez nous prouver juridiquement que ces gens sont les terroristes ou les djihadistes? Voilà. Parce que si vous le dites, venez nous le prouver. Par quelle preuve vous saviez que ces gens sont des djihadistes? Ou des terroristes. Donc si vous le saviez, c'est que vous avez reçu une note de ce qu'ils étaient présents. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé à toute éventualité? Hey, arrêtez de m'appeler les gars.
pense encore faire vidéo, vous l'appelez les gens. Il y a bon vidéo. Buvez l'eau, c'est important. Ça commence Nina la Queen. Marietta Flor Neji. Là, tu es partout, quoi. Politique, tu es là. Affairage, tu es là. Tu es. N'a pas de limite, quoi. Voilà. Attendez mes bagues, ça me sait. Mais quand ça me sait, quoi, ça que les gens sont prêts, ils sont prêts pour faire le faux truc. Il y a un gars qui dit pourquoi tu es bête. Mais le contraire de bête, c'est quoi? C'est intelligent, c'est que c'est intelligent. Voilà, il dit, mais pourquoi tu n'es pas intelligent? Il dit, ah, c'est bien, je suis bête. Mais tu dis pourquoi tu es bête? Mais c'est que c'est intelligent. Tu vois? En temps normal, tu dois me dire, pourquoi tu n'es pas intelligent? Je vais te répondre, c'est pas si bête. Mais quand tu me dis, pourquoi tu es bête? Mais c'est bête, c'est intelligent. Et le contraire de bête, c'est intelligent. Le contraire d'intelligence, c'est bête. Voilà. Donc, on va suivre le discours du président Laurent Gbagbo, qui a démontré par A plus B que Draman est un étranger ici. Parce qu'on est étranger, voilà, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Voilà, on va écouter ça ici, là. Écoutez ici. Écoutez, attendez. Voilà. Donc, Gbagbo dit n'est pas d'accord. Voilà ça. Gbagbo, c'est un historien. Voilà, il connaît l'histoire. Tout ce qui se passe là, Gbagbo a prédit ça. Sinon, en temps normal, si tu n'es pas un gars de l'étranger, pourquoi est-ce que nous, on perd 12 de nos vaillants soldats? Même pas, on décrète un deuil national. Même pas, celui qui s'appelle chef d'État là, vient compatir à la douleur des familles et pleurer. Viennent galvaniser les troupes, viennent s'adresser à la nation en ce moment douloureux que l'État subit actuellement. Il ne le fait pas. Il est à Bassam, à Sini. Par exemple, il y a un poisson, tilapia, il cherche à nager. C'est par l'eau, il va fuir. Voilà. Donc, les amis, soyons vigilants. Voilà. Essayez de vous enrôler dans les bureaux là. Parce que moi, hier, j'ai été témoin. Les gens, ils déforment les noms. La fille, là, carrément. Elle s'appelle Aou. On l'appelait Awa. Tu t'appelles Donatien. Ils vont mettre Doucouré. Devant moi, j'ai vu ça. Voilà, j'ai vu ça hier. Donc, soyons mobilisés. Ils ne pourront pas nous tricher. Parce que la peur a changé de camp. Raison pour laquelle ils ont commencé à faire les sales besognes. La théorie du complot. Aller payer des mercenaires. Venir nous attaquer. Pour faire croire que c'est les terroristes. Mais moi en tant que OPJ là. Pour savoir la nature de l'attaque.
Il faudrait qu'on attrape un assaillant qui doit faire des aveux. Mais, Amé Bakayoko, Am Gandabak, comme s'il attendait l'occasion, il vient mélanger crabe et poisson dans le même panier. Non, que c'est le narcotrafic qui veut s'allier à un djihadiste. Un djihadiste n'est jamais narcotrafiquant. Jamais de la vie. Voilà. Le djihad, là, c'est la guerre sainte. Voilà. Terroriste, là, lui, terroriste. Maintenant, le narcotrafic, là, c'est un pou pour un pou. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, quand je vois des griots qui viennent étaler leurs réflexions à plate couture, nous, on s'en fout de ça. Voilà, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne me l'a pas racontée. J'ai été témoin, j'ai été acteur. Il y a mis ma photo aujourd'hui où j'étais en stage commando. Voilà. J'ai mis ma photo aujourd'hui sur ma page où j'étais en stage commando. Voilà. J'étais prêt à faire un exercice qu'on appelle la descente en rappel. Voilà. Donc j'étais en train de me sangler. Ce qu'on met là, c'est des sangles. C'est pour juste te protéger contre des chutes. Il y a un gars qui vient, il commande. Il dit donc, tu es soldat comme ça là, et puis tu as fui le pays. Tu n'as pas pu défendre la nation. J'ai répondu. Il dit, mais dans ton village là, ce n'est pas cela de la Côte d'Ivoire. Dans ton village là, il n'y a pas de bras valides. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est ma propriété privée? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est ma propriété privée quoi? Ou bien moi je suis trop Jésus, quoi, être martyr, quoi. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Voilà. Quand elle est attaquée, là, tu es combattant, tu n'es pas combattant, tu es militaire, tu n'es pas militaire, tu es au front. Voilà. Ne dis pas que non, vous êtes payé pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est payé pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est payé pour défendre la Côte d'Ivoire. Tout le monde défend sa patrie. Voilà. Ça, c'est l'éducation civique et morale qui voudrait ça. Ton pays est attaqué, là. On n'a pas besoin que tu sois militaire. Tu es au front pour combattre, pour défendre ton pays. Moi ici Rambo quoi. Quand tu as fait, moi ici Rambo. Moi ici Rambo. On met la Côte d'Ivoire, c'est pour mon papa. Hein? Eve bleu. Il dit c'est faux. On appelle ça armé. Toi ta mère con. Toi t'as fait comment? François commando. Ça m'a pris mon travail quoi. Qu'on appelle ça armé. Tu es bête dans ta tête. C'est l'eau qui a tatoué. C'est merde qu'on t'a manqué qui gambait à ta tête. Bah bien là. Qu'on appelle ça. Attends le bloc même. On appelle ça armé. La merde qu'on met dessus. Les antennes comme ça là. Moi mon travail est. On dit gendarme. Un gars qui a une profession des armes. Il t'a dit ouais, il était dans un stage commando où tu tentes de le sangler. On appelle ça des 50 qui viennent. Que merde qu'on appelle ça armé. Babiel. Qu'on a. C'est comme le Ouattara là. Ils sont pas économistes. Ils mentent sur économistes. Économistes, là, tu es venu. On dit gère le pays. Tu peux pas gérer le pays. Tu peux pas. Ton propre village, on te connaît pas là-bas. Tu voulais construire là-bas. On te connaît pas là-bas. C'est les mêmes gars comme ça là. Non, cause, souvent ça chauffe les cœurs. Ça chauffe les cœurs. Comment moi, je suis commando? Je dis ça, voyez comment on appelle ça. Toi, tu viens, ta maman vient te dire que ouais, c'est pas qu'on appelle ça. Mais c'est ça que. Parce que. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les gars, vous convenez avec moi que Ouattara, il n'est pas là pour nous défendre. Voilà. Et voici la parfaite illustration aujourd'hui. Voilà. De ce que je viens de développer. Parce qu'en temps normal, la logique. La pure de la logique voudrait que quand tu es chef d'État et que tu perds 12 de tes forces lâchement que tu es assassiné par des assaillants, tu fais une adresse à la nation.